Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. J'ai reçu ma commande de chez Prospector. Donc, dedans, il y a théoriquement l'Oryx, plus quelques petits cadeaux de la part de la boutique. Je vous déballe ça tout de suite. Je crée vraiment d'impatience de l'ouvrir. Alors, je ne l'ai pas ouvert, justement, parce que je l'ai récupéré directement au travail. Et j'en bave tellement que ça, je suis assez ému. Donc, sur ce, c'est parti. Alors vous avez vu franchement la taille du carton, on dirait que ça, il y a une télé qui est emballée dedans. Mais non, il y a vraiment le détecteur plus les accessoires qui m'ont été offerts, pas vraiment la boutique Prospector. Franchement merci à Angèle du groupe BBR, franchement allez voir un tour sur le site, de toute façon je suis en partenariat avec eux. Donc si vous voulez passer une commande à la boutique Prospector, passez par Angèle, il essaiera de vous négocier quelques petits réducs. Il essaiera aussi de vous négocier pas mal de trucs. Mais franchement, c'est un type franchement assez super sympa. Et merci aussi au gérant Nicolas Bordeslas, si j'écorche pas mal le nom. Donc sur ce, c'est parti pour l'ouverture. On va faire ça version ouverture assez spectaculaire. Moi, j'utilise jamais de couteau pour faire mes colis. Alors, c'est assez bien disposé, comme vous pouvez le voir. C'est super bien disposé. Alors, déjà, on a le détecteur qui est ici, XPORX. Et on a dans papier bulle, on a la nouvelle pelle, enfin le nouveau modèle de pelle qui est sorti à la boutique. Alors c'est la micro série 700 mm. Donc ça change pas trop de la pelle que j'avais d'origine, mais sauf que on a du matériel tout neuf pour les prochaines au cas où si la pelle elle pète. Donc on va virer ça. On va le mettre là-bas. C'est pas important. Papier bulle, là-bas. Alors maintenant, le secret. Je vais baisser un peu le cadran. Merde. Ça, c'est quand on n'a pas d'assistant, on se démerde soi-même. Voilà. Maintenant, on va ouvrir la boîte. Alors, franchement, c'est super. Alors, il y a quoi? Le manuel d'instruction. On a normalement. Ouh, ça s'est cassé la gueule. Alors, normalement, on a le couteau de la boutique offert par Angel. Donc on va regarder ça tout de suite. Il est vraiment très 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 beau ce couteau. Ça en fera un de plus pour ma collection. Faudra qu'un jour je vous fasse une vidéo de savoir ma collection de couteaux. Déjà, il pèse son poids. Ça m'étonnerait que si vous le perdiez, vous le sentez. Alors c'est vraiment magnifique. Donc en bois pyrogravé, Prospector. Et la lame, magnifique. Regardez ça. Il est magnifique, il pèse bien son poids, c'est super agréable. Et on peut le porter à la ceinture. Le mécanisme est assez simple. Donc voilà, merci, ça c'est le petit cadeau m'a été fait. Par contre,
Ouais, c'est un cadeau. Ah si, c'est. Je croyais que ça rentrait pas dans la boîte. Donc, voilà. Maintenant, on va sortir la bête de son antre. Pour commencer, on a les accessoires ici. Donc, si je comprends bien, chargeur. Je sais pas ce que c'est ce câble rouge. Enfin, là, il y a les accessoires. Là, nous avons. Ah, il faut sortir d'abord la canne. Ça va me faire bizarre de travailler avec un détecteur avec la canne en S. D'habitude, j'ai toujours les cannes droites. Ah oui, c'est vrai que ça. Rien que la canne, ça paraît super léger le machin. Donc regardez. Superbe canne. Donc ça va. Ça. Oula. Oh, il y a aussi les. Waouh, super! Je les avais pas ces autocollants. Là, on a les autocollants officiels de la boutique, Prospector. Là, on a le nouveau qu'ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en brillant. En brillant, et c'est tout. Là, j'avais un autocollant, mais je sais pas ce que ça. À quoi il sert, c'est pas grave. Allez. Ensuite, on va déballer nos joujoux. Là, on a le petit autocollant XP. On a également la petite télécommande Oryx. Franchement, elle est superbe. Déjà que quand je regardais les vidéos des gens qui s'en utilisaient, je salivais. Mais en plus de l'avoir maintenant, ça finit de me faire saliver. Et là, on a le disque elliptique que j'ai commandé. Tout simplement, avec le protège-disque tout neuf. Nickel. Donc là, on va enlever le petit sparadrap. Là. Et maintenant, je vous propose qu'on passe au montage. Et le montage. Tac. Ah oui, d'accord. Tac. Je vais mettre vraiment du temps à m'y habituer à ce détecteur. Là, c'est gradué comme sur les. Ah, ça va pas plus loin que les quests que j'ai connus. Normalement, les quests, ils sont gradués en 10. Là, c'est gradué jusqu'à 5. Mais c'est parfait. Ensuite. Poser ça là. Pour éviter de tirer de conneries. Alors là, ouh, putain, mais c'est. Ouh! On dira un lanceur Beyblade. Non, honnêtement, je sais pas à quoi ça sert. Si vous avez des idées en commentaire, dites-le moi. Ouh, il y a des vis. Ouh, il y a de la vis, ça c'est sûr. Alors. Qui c'est qui va où? Alors ça, je présume que ça va comme ça. Ça, c'est plutôt comme ça. Ah, je sais jamais sur les détecteurs. Voilà les notices. J'ai une petite perte de mémoire. Montage. C'est pas les effets de sol qui m'intéressent. C'est pas les options. Ah, c'est que j'ai aussi la barre de. D'accord. Monter la tête correctement et à tout connecter rapidement. Donc vous avez pu voir, la canne ne prend pas vraiment beaucoup de place quand c'est replié. Surtout, on fera gaffe de pas bousiller la télécommande en mettant en rangeant le détecteur correctement. Donc on peut voir qu'il est super léger. On m'a dit moins de 800 grammes.
On essayera de tester sur un terrain, ça se fera pas maintenant parce que il y a du travail, j'ai du boulot avant de pouvoir vous faire une sortie correcte. Donc on essayera d'utiliser les programmes d'usine qui sont déjà installés dans notre cher petit Torix. J'espère qu'on fera de superbes découvertes. J'espère aussi de tout cœur que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager un max. Aussi, n'hésitez pas à soutenir la boutique Southwest Détection, je vais y arriver, ou Prospector si vous préférez. C'est la même boutique de toute façon, qui m'ont envoyé ce bel objet, enfin ce beau détecteur surtout. Merci à eux aussi et à Angèle du groupe BBR, qui est l'administrateur de ce groupe, pour le magnifique couteau qu'il m'a fait faire cadeau, plus l'appel qu'on a reçu, c'est grâce à lui. Et surtout, merci à vous d'être toujours aussi patient, d'attendre mes vidéos avec impatience et vraiment, ça me fait super chaud au cœur. N'hésitez pas aussi, n'oubliez surtout pas que à partir des 200 abonnés, je lancerai un concours en partenariat avec le groupe BBR justement. Ils m'ont donné des badges à vous faire gagner. Et moi, en petit complément, je vous fais gagner des pièces de ma propre collection. Donc, ce ne sera pas des pièces que j'ai trouvées en détection. C'est manque de bol. Donc peut-être que ça, si j'en trouve beaucoup, on fera un concours spécial pièce. Sinon, ben, j'essaierai de trouver d'autres choses pour vous faire plaisir. Donc sur ce, n'hésitez pas à rester toujours à l'antenne. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à poser par rapport à la détection ou comment je détecte, avec quoi comme matos, etc. Je vous répondrai tant que bien que mal. Et surtout, profitez bien du soleil, les amis. Profitez bien, je sais qu'on ne peut pas trop profiter quand on est en ville des 10 km pour aller détecter, ça c'est casse-couille, mais une grande pensée à vous, et surtout, n'hésitez pas à vivre la détection. Si vous voulez vous lancer, le lien est en description pour vous lancer. L'équipe de prospecteurs se fera un plaisir de vous conseiller et aussi de surtout bien vous guider et d'essayer de vous donner du bon matériel pour pouvoir commencer. Sur ce, ciao les amis.